L'égalité homme-femme à la tête des entreprises, bah, c'est pas encore ça. Et à votre avis, qui dirige encore les sociétés la plupart du temps ? Mais non ! Mais hasard de dingue ! Et pourtant, les femmes s'illustrent comme les parfaites élèves en la matière, car si on se penche sur le taux de rentabilité des entreprises de ces dernières, elles présentent un taux de rentabilité opérationnelle de 8% contre 5,7% pour leurs homologues masculins. Mais tout ça ne change en rien la situation actuelle, je m'explique. Si les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes parmi les entrepreneurs individuels, c'est un peu moins vrai au sein des micro-entrepreneurs et encore moins parmi les gérants majoritaires de sociétés. En gros, plus l'entreprise est grosse, moins les femmes dirigent. Et comme si c'était pas suffisant, les femmes dirigeantes gagnent moins que les hommes. À nouveau, cet écart dépend du type d'entreprise. En effet, plus l'entreprise est grosse, plus l'écart de salaire l'est également. Enfin, les femmes créent moins d'entreprises, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la peur de conjuguer maternité et responsabilité professionnelle, et enfin à cause des obstacles qui les empêchent tout simplement de se lancer.